Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Grid 2. Alors on va commencer par faire quelques événements promo. Pourquoi? Tout simplement parce que vous le savez que j'ai, faites voir un truc, quelques petits soucis, on va dire, de lag sur les premières courses. Et plutôt que de faire une course dans le vide comme ça, voilà, on va aller faire de la promo. C'est pas pénalisant si je me loupe par rapport au championnat WSR. Donc autant faire quelque chose qui, dira-t-on, soit moins grave que le reste. Hein, le but sera quand même de réussir, bien entendu, cette épreuve. Hein, je suis pas non plus là pour louper ça. Mais bon. L'itinéraire va changer en cours de route. Alors, sois réactif et observe. Là, d'entrée de jeu, il y en a eu un beau là d'entrée. Oh, bah dites-moi. J'ai bien fait, hein. Oh la vache! Oula! Ouais, super! Allez, c'est pas grave. Je le sais, sur cette course, il faut que je fasse l'effort. Voilà, il faut que je tienne bien. Voilà, bien passé ça. Et puis les courses de promo aussi, c'est... l'occasion de, pour ceux qui aiment aussi voir un petit peu de diversité au niveau des véhicules utilisés, bah c'est l'occasion de voir d'autres voitures que ma fameuse BMW que j'utilise beaucoup. Ah, parce que voilà, j'utilise quand même une voiture avec laquelle du moins je me sens bien. Ça paraît, ça dira-t-on, assez logique. Allez, là on est bien. Parfait, bon passage là. Bien encore, très très bien même. Encore une fois, parfait. Voilà, c'est de la promo, donc c'est vrai que c'est pas... Voilà. Wow, je vais dire, c'est pas très compliqué, on va revenir là, parce que j'ai eu un gros lag dans le virage. Du coup, je savais plus où j'étais. Allez, voilà. Et maintenant, j'ai plus que le premier à aller chercher. Et pour ça, j'ai 4 minutes. Un petit peu moins de 4 minutes 30 maintenant. 4 minutes 20. J'arrive vite. Très vite. Trop vite. On va bien passer. Bien pris. Bien pris. On sent la puissance de la voiture. Ça doit être... J'ai pas fait gaffe. Je pense que ça doit être une propulsion. Parce que pour qu'elle reparte aussi vite, avec le gros coup de frein que j'ai mis. Encore 4 minutes. Voilà, très bien encore là. Là, j'ai eu un petit coup de lag, mais ça m'a pas trop gêné parce qu'il s'est produit au moment où j'avais la voiture droite. Allez, allez, c'est pas grave, faut que je continue là. J'ai un peu tapé. C'est encore une fois un peu dû au lag là. Allez, 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 allez. Voilà. Certains la semaine dernière m'ont demandé pourquoi je faisais pas de takedown. Donc vous avez eu l'exemple. Je viens d'essayer d'en faire un. J'ai tapé la voiture de l'adversaire au cul. Donc ce qu'il faut. Ah, je me suis planté. Ce qu'il faut pour. Ouais, bah oui, du coup, putain, j'en ai plus. Ce qu'il faut pour faire partir la voiture en tête à queue. Et moralité, c'est moi qui suis parti et c'est pas elle. Là, je suis dégoûté, j'ai utilisé un rewind alors que je ne voulais pas. Du coup, j'en ai plus, puisque j'ai utilisé le dernier. Et c'est pas grave. Derrière, il y a un petit peu d'avance. Là, bien passé encore. Peut-être même un peu mieux que lui. Parce qu'on a vu qu'il était quand même parti beaucoup en zouille. Là, bien, 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 bien. Là, je suis bien passé. Ah, il faut que je continue. Du calme, voilà.
Là, j'ai eu un freeze, donc du coup, j'ai relâché l'accélérateur histoire de pas me planter. Oh, par contre, ça va être pénible si j'ai tout le temps la même portion de du circuit là. Si c'est encore l'épingle à gauche, eh bien, c'est encore l'épingle à gauche. On pourrait quand même mettre autre chose parce que là, ça va être le troisième passage. Encore 2 minutes. Là, je sens que je vais encore avoir le virage à gauche. Voilà. Waouh, 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 waouh. Voilà, zen. Avec là, l'épingle à gauche, encore. Putain de frise à la con. Reste sur ta trajectoire. Ce genre de dégâts est à éviter. Ouais, t'es gentil, grand. Là, je fais vraiment ce que je peux. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de frise d'un coup là. Allez. Là, je sens que je vais encore avoir... Voilà, le virage angle droit à gauche. Avec le passage à nouveau sous le pont. Eh bien, décidément. En fait, là, le circuit n'a rien d'aléatoire. C'est le même depuis le début, hein. Ouf, là j'ai tout lâché, pareil, j'ai eu un petit freeze, mais bon, c'est pas très grave, là j'ai vraiment lâché, histoire de pouvoir gérer la reprise. Là, bien, bien passé, même si j'ai quand même bien ralenti, elle est derrière. De toute façon, il faut que je finisse dans les 3 premiers pour atteindre mon objectif de promo, donc... On va dire que pour le moment, j'y suis largement. Allez, c'est bien, on continue. Ouais, bien, 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 encore, encore. 12 secondes, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Voilà, bien. Ouh, j'ai bien abîmé la bagnole quand même. J'ai très très bien abîmé la voiture. Ouh, il y a longtemps que j'avais pas abîmé une voiture comme ça dans Grid 2. Hein. Et j'ai 80 mètres d'avance sur le deuxième. Bon, un petit peu plus sur le troisième. Donc j'étais quand même relativement serein. Mais bon. Donc là, vous voyez, en plus, pour les frises, je tente même de ne pas me mettre en plein écran. Ce qui, en général, utilise moins de ressources. Mais, comme quoi, hein, vraiment... Mais allez, c'est pas grave, on va pas insister là-dessus. Là, on a gagné 100 000 fans. C'est plutôt bien. Une épreuve de promo t'attend. Il faut que tu restes sous le feu des projecteurs pour promouvoir encore. Ouais, mais on va aller maintenant. J'ai fait ma première course. Je voulais juste faire une première course histoire de débloquer tout ça. Série de drift. Oh là là là. Pop, 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 pop. Et le problème, c'est qu'il faut que je sois bon. Hop, arrière pour le drift. Faites voir par rapport à la... Ouais, mais j'aime bien ma petite S2000, moi. Hein. Quoique la Ford était pas mal quand même, là. Allez, on va prendre celle-là. La petite Mustang, là, elle était bien. Je trouve qu'elle se maîtrisait relativement bien. Donc, ça peut être assez sympa à essayer au niveau des drifts. Bon, après la S2000, voilà, c'est un petit peu plus classique. J'ai déjà utilisé la dernière fois et j'ai pas forcément fait des bons résultats. Donc bah voilà, faut changer, hein. On va pas s'entêter là-dessus. Alors par contre, je me mets juste le temps d'enregistrement sur le clavier. Voilà, nickel. Allez. Okutama est le meilleur endroit pour tester ta voiture en dérapage. Les virages d'ici sont l'idéal. Ah bon, on va essayer, j'espère. Fais déraper cette voiture pour en profiter au maximum. Prends un virage, remets les gaz et maintiens le drift aussi longtemps que possible. Eh bon, on va essayer, hein, de toute façon. Hein. T'as marqué de beaux points. Hop, 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 et ouais. Et là, je suis parti. J'ai pas assez contrebraqué, sinon, je pense qu'il était bien engagé. Voilà. Ah, peut-être un petit peu mieux que la dernière fois quand même. Une belle ligne te rapportera un max de points. Maintiens le drift aussi longtemps que possible. Hop, 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 hop. J'ai bien senti que
Je suis trop parti à l'intérieur. Tout est une question d'ordre. Glisse sur les côtés pour marquer un max de points. Ouais, voilà. Rien du tout. Bien. Parfait. Ça va pas suffire. 180. Ah ouais, 8ème. Oh là 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 là. Ils sont combien là, les premiers? Ils sont à combien en drift? Parce que. J'espère que c'est une stratégie de ta part. Parce qu'il faut que tu inverses la tendance maintenant. Ouais, ou pas? Ah non, c'est pas une stratégie, c'est que j'ai pas été bon. Du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Allez. Bah, on va remettre ça, hein. Nous, moi, on va continuer. C'est pas on va remettre, c'est on va continuer. Et puis là, honnêtement. Ah, vraiment, c'est vraiment pas mon truc, hein. Ouais, tu parles, j'ai gagné 1000 points là. Ouais, ok. Ouais, 13 000 fois 2. Super, hein, j'ai marqué 0 points. Je vois pas même pas comment réussir à la faire partir suffisamment en drift là pour faire des points. Ouais, encore, peut-être comme ça. 12ème. Ok. . 271 000. Je suis à 110 000 points du premier. Non mais là je vais faire ma Nabila. Non mais allô quoi. Je vois même pas comment je peux améliorer mon truc. On va essayer de reprendre la S2000, honnêtement. Vraiment sans conviction. Allez, c'est bon, on s'en fout, de toute façon. Pour le peu de trucs. Par contre, ça, c'est chiant qu'on puisse pas passer un petit peu à la manière d'un Gran Turismo, les crédits là à la fin, parce que. Honnêtement, les fans, on n'a pas besoin de les voir défiler. Atteindre la finale de cette saison. Alors ce n'est pas le moment de se relâcher. Tous les pilotes sur la ligne de départ veulent décrocher le titre de champion. C'est vrai, j'ai atteint le. Il va falloir que tu donnes le meilleur de toi-même. J'ai atteint la finale? Ah bah non. Si! Yes! Eh bah vous savez quoi? Non, je vais pas m'embêter là. Ah donc à mon avis, il va y avoir du drift, il va y avoir un peu de tout là. Ouais. Qu'est-ce que je prends comme voiture? Je vais prendre. Là, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas que je fasse dans la répétition. Mais je vais prendre. Ouais, quoique. C'est quand même le problème, c'est que c'est du 4x4. Alors c'est ça qui me gêne un petit peu. Une vitesse de pointe plus importante. Et ouais, il y a beaucoup d'adhérence. En même temps, il y a autant d'adhérence sur la BM que sur l'Audi. De toute façon. Allez, je vais garder ma petite BM. Voilà, je suis bien avec ma BM, je vais garder ma BM. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Là, faut gagner cette saison-là de WSR. On va essayer de l'emporter, ça serait pas mal. Déjà, rien que là, quand je vois l'écran de chargement, j'ai là-haut mon framerate qui apparaît, je suis tout le temps à 30, hein. Sauf au temps de chargement où je tombe à 10, à 9. C'est assez impressionnant d'avoir autant de problèmes sur un jeu. Il faut passer d'un virage à l'autre de façon fluide. Toutes les conditions sont réunies pour faire la course parfaite aujourd'hui. Ouais, ben on va essayer. Je me fais bouffer par la S2000. Essaie de rester fair play. Non, pas en ville. Et on est là pour gagner, bonhomme. Je vais taire le mot. Putain, il m'a viré dans le. Il m'a poussé à aller dans le mur, du moins. Et par contre, grand, si tu veux. Là, j'avais passé beaucoup plus fort que toi. Sois prudent. Quelqu'un a fait à tête à queue. Merci et merci. Là, non mais. De toute façon, le but, c'est la première place. Hein.
Deuxième et troisième, ça m'intéresse pas. Là, ils sont devant, Carter et Nasser. Allez, faut continuer. Faut cravacher. Allez, encore, encore. Il y a moyen d'aller les rattraper, là. Il y a 5 tours en plus. Allez, bien, bien pris, celui-là. Là, j'ai Carter juste devant. Voilà. Et là, je vais doubler Nasser aussi. Voilà, c'est bon, ça, une bonne première place, là. Acquise un peu dans la douleur, mais acquise quand même. C'est le plus important, elle est là. Là, bien pris aussi. Essayez de perdre un minimum de vitesse. Très bien. Continue de défendre ta place de leader. Non mais je fais pas que la défendre mon grand. Je suis à l'attaque, hein, je te signale. Regarde bien l'écart que je creuse. Ok Laurent, bien joué. T'as pris la tête rapidement. Non seulement j'ai pris la tête, puis je pense que je dois claquer du temps autour là. Ah, bien passé encore là, parfait. Là, nickel. Ouh là, je suis bien. Je suis à l'attaque, je suis à fond là. Je donne tout. Wow, c'était juste. J'aurais pu partir, je pense là. Et puis les courses, faut que je les gagne quand j'en ai l'occasion, parce qu'après, je suis pas à l'abri de finir deuxième ou troisième sur une autre. T'as 5 secondes d'avance sur le deuxième. Continue de creuser l'écart. Bien passé encore là. Et encore vraiment une bonne course là. Une très bonne course. Pour le moment, il y a eu le départ qui a été un petit peu chaotique. Hein, où j'ai attaqué vraiment mes adversaires, mais je me suis bien repris par la suite. Ouais, joli. Non, honnêtement, là, une très très jolie course. Très très belle course, bien amenée. Et puis finalement, j'ai réussi à prendre la tête assez tôt, effectivement, et à amener tout ça jusqu'au bout. Hein. Mais reste vigilant, car les autres vont te prendre pour cible. Et bon, il y a eu aussi le fait que juste après le rond-point, là, il y a eu un accrochage entre deux voitures. Tout de suite, ça m'a permis d'être troisième. Et j'ai surtout eu la chance que ce soit pas dans un virage, parce que dans un virage, je pense que j'aurais tapé. Les pistes d'Okutama sont très vallonnées. Pour réussir ici, il faut maintenir sa vitesse. Allez, bien. Tu dois bien connaître ce circuit maintenant, vu que t'as couru plusieurs fois ici. Bref, on va essayer, hein. Essayer de s'en souvenir surtout. Waouh! Merci, il m'a bien rattrapé lui, il m'a bien aidé parce que sinon j'étais pas bien. Waouh! Oh waouh! Wow. Tu peux éviter de me pousser comme ça lui? Bien, très bien encore là. Dégage! Putain, il me gêne! J'ai pas pu doubler. Quel salopio. Voilà pourquoi il faut finir premier quand on peut. Parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir par la suite. Oh non. Eh hey, grand haut. Vous avez vu, au moment où je passe, il met son coup de frein lui. Allez, faut que j'essaye de rattraper un peu ce podium là. Même si ça va être compliqué. Allez, là, bien passé. Ouais, joli l'enchaînement, là. Allez, il faut que j'arrive à rattraper les deux de devant, là. Kirkwood et Carter. Waouh! Trop de vitesse, tue la vitesse. Ah, il fallait mettre juste le petit coup de frein. Ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Ah, mais arrêtez-vous si vous voulez, les gars, non?
Et qu'ils ont freiné comme je sais pas quoi dans ce virage là. Reste calme et récupère ta place. Ouais, t'inquiète, j'ai pas l'intention de m'énerver. T'es dans le top 3. Ouah ! Ah oui, je suis dans le top 3, ouais. Super, t'es deuxième. Allez, j'ai bien repris là. Allez, va. C'est, putain, waouh, j'allais dire, c'est la BM que j'aurais dû prendre. Là, j'ai pas réussi à la faire revenir. C'est peut-être la BM que j'aurais dû prendre pour les séances de drift. Parce que mine de rien, je la maîtrise un peu plus. Allez, encore. On est bien là. Parfait. Pouh, ben ça a été un petit peu plus compliqué. Parce qu'au début, j'ai pas réussi à remonter suffisamment rapidement pour assurer cette course. Mais finalement, là où j'ai eu beaucoup de mal dans les sessions de drift, et ben c'est là que j'ai réussi moi à faire la différence. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. C'est même une très 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 bonne chose. Allez. Donc voilà, ça sera vraiment un épisode dédié à la finale du WSR. Allez, encore. Ce sera beaucoup mieux si tu cherches des ouvertures au lieu de rentrer dans les autres. Ah, allez. Excuse-moi, bonhomme, mais là. Ça serait bien que les autres me rentrent pas dedans par contre. Et là je suis bien. Nasser il est là. Bien joué, t'es quasiment dans le top 3. Oh parfait, encore le virage là. Bah vraiment je suis bien là. Je suis vraiment bien aujourd'hui là. Je ressens bien la voiture. Ça se voit au niveau des virages, ils sont bien pris, bien enchaînés. Pas compris pourquoi il avait autant freiné sur le rond-point là. Dans l'autre sens, on peut le prendre quasiment à fond. Okay, reste en tête. Ah bien, très bien. Ah, par contre, je crains le premier virage là. Très bien aussi. Peut-être un petit peu trop freiné d'ailleurs. Ah bien, j'ai perdu un peu de temps là. Le deuxième va tout faire pour te passer. Ouais, j'ai vraiment perdu un peu de temps. Ouais, ça va, il y a quand même un petit peu de marge avec le deuxième, puis c'est Carter. C'est pas un. Il est pas dangereux au classement. Pas assez freiné. En général, hein, quand on touche, c'est qu'on est trop long. Allez, il va y avoir l'épingle au bout, non? Ah, écoutez, très bien encore. Encore un beau passage, là. Ouah. J'ai pas contre-braqué assez tôt. Bah vas-y, casse tout. Tu as subi beaucoup de dégâts, alors du calme. J'ai perdu la calandre. C'est moche quand même. Enfin, beaucoup de dégâts, c'est qu'une calandre, hein, bonhomme. Hein. C'est qu'un peu de carrosserie là. C'est pas très très grave non plus. Ouais. Là, je vais le refaire tout de suite. Parce que j'ai bien senti que le fait d'avoir tapé à l'intérieur. Doucement, voilà. Allez, mener vers l'extérieur du virage. Et
Allez, l'arrivée doit pas être bien loin. Elle va être sous le... Elle est sous le tunnel, non? Ah non, elle est là. Et voilà. Bon, regardez. Elle a trois fois rien en dégâts. Elle a juste la calandre en bas. Le bas de caisse qui est parti. Pas très grave. Allez, ça fait toujours des points en plus. Regardez, j'ai 16 points d'avance au... sur la compétition. Ça peut me permettre de finir deuxième, voire troisième. Donc je suis quand même relativement tranquille. Allez, ça va être la dernière course. Et c'est là qu'il faut tout donner pour accrocher encore une fois cette première place. Allez, ouais, bien. Pour la course aujourd'hui, reste concentré et tout se passera bien. Allez, normalement, ça devrait le faire, petit. On va essayer. Waouh. Putain, il m'a perturbé, Carter. Je l'ai vu partir vachement large. Mais il a touché aussi, hein. Voilà, je vais pas aller... Je vais pas aller prendre de risque à essayer de casser ma voiture. Allez, à l'intérieur, là. Putain, j'ai pas pu. Essaie de remonter d'une place à la fois. T'y es presque. Allez, on va lui piquer sa place. Ouais, on va pas, pas comme ça. Là. Il a fait... Oh, mais non, je me suis planté. Fais chier, j'étais bien, j'étais passé. Ça va, je suis repassé. Oh, putain. Et voilà, vous voyez, les deux derrière, là, comment ils m'ont jeté vers l'extérieur. Chose que nous, on peut pas faire, par contre, quand on vient les tapoter un petit peu. Hein. Ils bougent pas, hein. Allez, 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 allez. Encore, encore, encore. De toute façon, cinquième, normalement, je suis assuré quand même de finir premier au WSR. Ça le fait pas quand même de finir cinquième. Mais là, je suis dégoûté parce que c'est eux, le fait qu'ils m'aient envoyé dans les barrières, j'étais passé troisième. Par contre, il faut quand même que je passe ma 6 à un moment. Je suis un peu long là. Eh ben vas-y. Waouh. J'ai pris le pylône. Je sais pas si je vais y arriver à le passer, ce virage. Allez, il sera passé comme ça. Ça ira très très bien. Voilà. Allez, on casse la voiture à la fin. Alors, faut que je marque au moins 5 points. Normalement, les 5 points devraient être là. 10 points. D'abord les États-Unis, ensuite l'Europe. Maintenant, on peut dire qu'on est connu mondialement. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Je suis voilà. Fier de toi. Tu vois, tu voulais les 3, ben c'est fait. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, là, nos amis journalistes? Motorsports fans, look out. World Series Racing and ESPN have come to terms on an agreement for the network to air every race this season live and exclusively on ESPN HD. It marks yet another major step in the development of WSR as the organization moves its races to prime time to be broadcast on the network. WSR President Patrick Callahan accompanied the announcement, stating World Series Racing's growth has been meteoric, and our partnership with the premier sports broadcasting network solidifies our position as a major player in the global sports marketplace. Check ESPN.com for details on how you can catch all the action on a screen near you. Bien, madame. Et voilà, un objectif d'atteint. Donc déjà, on est mondialement connu. Je me demande ce qui peut nous réserver en plus, là, Patrick Callahan. Bon, là, je pense qu'on a explosé, là. On est à 4 millions 3. millions 469 375 fans. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une belle progression. L'ESR promet d'être la meilleure de toutes. 9 séries différentes vont se dérouler à travers le monde et elles seront retransmises en live et en prime sur ESPN. Pour fêter ça, j'ai agrandi ton espace. À toi de le découvrir. Qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce qu'elles claquent ces bagnoles. Saison 4. Tu as le choix entre deux véhicules.
Tu en auras besoin pour participer aux épreuves à venir. On peut pas les voir. Vapeur SRT. Vapeur GTS SRT. Ouais, c'est. Ouais. Je vais prendre la Vapeur quand même. Ouais, ouais. Comme tu commences à te faire un nom, un nouveau sponsor aimerait travailler avec toi. Et ben là, on va mettre. Virgin Media. Parfait. Ok. Donc, quatrième saison du WSR, des défis, de la promo, tout ce qu'il faut. Et on attaquera ça au prochain épisode. Ben vraiment, en attendant, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que c'était un épisode assez agréable. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Grid 2. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde.